Vous êtes bien Evan de Marcy, si je ne m'abuse? Oui, c'est exact. Je ne vous serai jamais assez reconnaissante pour avoir sauvé Adèle. Tu vois, tes parents ne sont pas morts dans un incendie. Ton nom de famille n'est pas Adèle Winter, mais Adèle Winthrop. C'est le nom de la reine? Dire que pendant ces 17 ans, j'ai vécu dans le mensonge. Je veux rencontrer ma vraie mère. Nous nous trouvons devant la salle du trône. Je vais vous laisser entrer. Madame la reine est à l'intérieur. Oh, mesdames. Veuillez m'excuser, je ne vous ai pas entendu entrer. J'étais perdue dans mes pensées. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Votre majesté, tu as tellement grandi. Tu es devenue une belle jeune fille maintenant. Je vous en remercie, majesté. Puis-je vous parler une seconde? Oui, bien sûr. Adèle, tu nous attends ici? Oui. Carl Auguste Mons était mon père. Oui, nous sommes d'accord. Et si nous allions rejoindre Adèle? Oui, bonne idée. Eh bien, je vais y aller. Dans ce cas, merci beaucoup, Majesté, pour votre accueil. À une prochaine fois, je l'espère. Non, Adèle, je suis désolée. Mais cette fois, je rentrerai seule. Comment ça? Tu m'as comprise, Adèle. Il faut que tu restes ici. C'est pour ton bien. Tu n'es plus en sécurité chez moi. Les hommes de Tina vont revenir. Tu n'es plus en sécurité. Ici, tu es bien entourée. Je suis désolée. Mais toi, pourquoi ne restes-tu pas? Eh bien, il y a quelques contraintes et puis il faut que je m'occupe de la maison. Désolée. Votre Majesté, Adèle. Bon, je vais devoir y aller. Je reviendrai te voir très souvent. Merci pour votre accueil, Majesté. Adèle? Oui. Que dirais-tu d'une visite dans le château? Oh, oui, avec plaisir. Allons-y. Ici, nous sommes dans les cuisines. Nous y avons deux cuisiniers, les meilleurs de la région, Patrice et Patrick. Vraiment de très bons cuisiniers. Tu verras, tu vas te régaler. Je n'en doute pas. Patrice, peux-tu m'amener le sucre glace, s'il te plaît? Oui, oui, je te l'apporte. Majesté. Patrice. Tiens. Merci. Ils sont très drôles. Oui, ce sont de sacrées personnalités. Continuons. Nous voilà dans la salle à manger. C'est là que nous mangerons ce soir et à tous les repas suivants. Certes, là, elle peut paraître un peu vide, mais tu verras que ce soir sera beaucoup plus vivant. Et ici, nous sommes en sécurité, nous avons deux gardes. Votre Majesté, pour vous servir. Messieurs, je vais continuer ta visite. Voici le début de ta suite. Donc, ta salle de bain. Ma salle de bain? À moi? Je veux dire, rien qu'à moi? Oui, rien qu'à toi. Elle est adjacente à ta chambre que je te montrerai ensuite. Mais si tu veux faire le tour de ta salle de bain... Elle est immense. Et cette baignoire, c'est vraiment immense.
J'espère qu'elle te plaît. Ok, oui. Bon, je vais te montrer ta chambre. Avec plaisir. Et pour finir, ta chambre. Oh. Elle est gigantesque. Elle te plaît, j'espère. Elle me plaît énormément. Elle est vraiment magnifique. Qu'attends-tu pour t'y aventurer? Je t'en prie. Quelqu'un viendra te chercher pour le dîner. Très bien, merci. Et merci pour la visite. Ça m'a fait très plaisir. Je t'en prie. Eh bien, à tout à l'heure.